sur cette race? Ah bah fantastique, c'est vrai que j'avais une petite appréhension pour la descente parce que mon cheval est très fort. Mais non, il m'a écouté, il a été sensationnel, il m'a épaté dans les montées. Il est monté à 3000 à l'heure. Et derrière, il repartait quand même. Enfin, pas une seule fois, il n'est pas reparti. Je le savais très, très endurant. Mais je ne l'avais jamais monté sur un parcours aussi vallonné. Et en fait, il galope encore plus vite que sur le plat, j'avais l'impression. Donc non, je suis très, très, très fière de ce cheval-là. Il a encore tout donné, il est droit partout. Il cherche à me faire plaisir tout le temps. Donc non, il est exceptionnel. Il aurait pu en faire un deuxième parce que Charline disait qu'il avait encore l'énergie. Ouais, alors un deuxième quand même pas, mais à l'arrivée je l'ai pas. Ouais, je sentais qu'il est galopé vers la ligne quand même de lui-même et là pour le moment il va très bien donc voilà. Après c'est le principal, moi je veux qu'il aille bien donc il est top là. J'imagine que ça te met dans un bon état d'esprit pour demain. Tu peux peut-être un peu. Oui, alors confiante, voilà, faut pas se relâcher trop. C'est surtout que je me dis que j'ai eu ma revanche du dressage. Donc ça c'est bien, après c'est souvent le cas avec un manjo. Et demain, bon, le cheval saute de mieux en mieux, mais il suffit que je vous dise ça pour que demain il soit moins bien. Mais il a fait de gros progrès à l'obstacle, donc j'espère qu'il va le montrer demain. On n'a plus d'équipe de France, non. Donc on compte sur les individuels. Oui, c'est un petit passage sans, mais c'est le sport et ça arrive tellement vite. L'équipe, elle était là, elle était vraiment au niveau. Mais voilà, enfin, on sait que c'est le sport et tout peut arriver et ils reviendront plus forts aux Europes et aux JO. Finalement, c'est les jeunes qui sont les mieux sortis. Oui, alors après, c'est un peu facile de dire ça après coup, mais... Oui, là on s'en est mieux sorti et puis un autre jour on s'en sortira moins bien. Enfin, c'est le sport et il faut rester humble et savourer le moment présent, mais rester humble parce que on peut tout rater la fois d'après. Donc faut savoir rester bien normal et humble et surtout moi je suis super contente de mon cheval et quand c'est comme ça tout me va. Merci, bonne chance pour demain. Merci.